L'armada d'Hitler, hier si foudroyante, battait en retraite. Les Alliés à l'ouest et les Russes à l'est finissaient de réduire en miettes ce qu'il restait du Reich. L'armement des Allemands était leur dernier espoir. La roquette V2, formidable bond en avant dans l'histoire de la technologie militaire, l'avènement d'une nouvelle forme de guerre. Inhumain, fulgurant, inattendu. Les nazis larguèrent 3000 bombes sur Anvers, Paris et Londres, dans une tentative désespérée de renverser le cours de l'histoire. Après le débarquement, leurs pas de tir furent investis et placés hors de portée de l'Angleterre. Mais les Alliés s'intéressaient déjà à la guerre suivante. Les Américains rassemblaient les experts allemands en aéronautique dans le cadre de l'opération Overcast. Bien des architectes du programme V2 avaient été enrôlés, mais pas tous. Berlin encerclé, les dernières défenses allemandes capitulant. À quelques jours d'une défaite totale, les scientifiques encore en ville tomberaient bientôt entre les mains des Russes. J'étais chargé d'empêcher cela. Le général de division Hans von Heisenberg négociait secrètement le passage en sécurité de son équipe, 5 des meilleurs hommes du programme V2. Il allait rencontrer son contact russe à la porte de Brandebourg. C'était là ma chance de l'éliminer avant qu'il ne puisse conclure l'accord. J'étais préparé, concentré, sûr de moi. Je ne me doutais pas que cette mission deviendrait la plus difficile de toute ma carrière. Ist deine Frau aus Berlin rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Wenigstens keine schlechten Nachrichten, oder? Keine Nachrichten, das ist alles. Ich will nicht daran denken. Was war das? Keine Gefahr. Was war das dort?
Fram Heisenberg arriva à l'heure et ne tenta pas de me cacher son visage. Son compact russe non plus. La cible était en vue. À la moindre pression sur la gâchette, le général ne serait plus. Il ne restait plus qu'à choisir le bon moment. La place était bien abritée. Je n'avais pas à me soucier du vent. Je devais viser au-dessus de la cible pour compenser la pesanteur. Je contrôlais ma respiration pour assurer ma visée. Et... feu. Vorstoßen sollen. Wir mussten das auch alles übertreten. Er ist hier irgendwo. Haltet die Augen auf. Mann am Boden!
Heisenberg était mort. J'étais désormais engagé. Les Russes et les Allemands sauraient que j'étais là. Plus que quatre.